Bonjour tout le monde, c'est Mam et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Zelda Link's Awakening. Alors pourquoi je suis là en train de récupérer l'objet du donjon? Parce que j'ai dû le refaire, parce que j'ai pas sauvegardé dans le dernier épisode. Et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, parce que j'avais la flemme de le recommencer. Évidemment parce que c'est chiant de refaire des choses qu'on a déjà faites, surtout qu'on vient juste de le faire, hein. Voilà, bon, sur ce vous en foutez parce que j'ai pas filmé, hein. Pourquoi je devrais le filmer? Voilà, on est là. Et oh! Combien d'instruments as-tu collecté? 3, 4, je sais plus. Quand tu joueras des instruments face à l'œuf, le poisson rêve se réveillera. Et tu pourras quitter l'île. Oui, parce que je vous rappelle que l'objectif du jeu, c'est de se barrer de cette île au plus vite, parce qu'on n'est pas d'ici. Va vite vers les dunes de Yarma. Les dunes de Yarma. De Yarna, c'est où ça? L'horrible monstre noir des sables t'indiquera le chemin. Ok. Ok, les dunes de Yarna. Les dunes de Yarna, où est-ce que c'est? Moi, je sais pas du tout. Bah, ça doit être dans une zone qu'on n'a pas visitée. Dunes de Yarna. C'est pas vers là. Ça doit être peut-être vers le haut, vers le bas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ou alors peut-être vers la plage, parce qu'il y a du sable. Vers la plage, il y a du sable. Donc peut-être ça se reproche du désert. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a de l'eau. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et je vous rappelle que l'objet du donjon qu'on a récupéré, c'était les bottes de Pégase. Et ça va nous servir d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est cool. Plus besoin de marcher à deux à l'heure. Franchement, les gens qui jouent aux Zelda, enfin les anciens Zelda, et qu'ils ont ça. Ah putain, ça toque. Merde. Désolé pour l'ellipse. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Moi, je me dirigeais vers le village tout d'abord, puis vers la plage, au cas où si c'est vers là-bas les dunes. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. Bravo. On se parle là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais voilà, j'en étais sûr. Donc les dunes peut-être sont par là. Non, merde. Il me faut le truc pour sauter quand même. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Ah oui, mais d'accord, d'ailleurs il y a ça. J'ai complètement oublié. Pépé Ramolo. Alors Pépé Ramolo à l'appareil. Apparemment, dans les dunes de Yarna, au sud-est de l'île, se trouve la clé poisson. Écoute, je ne peux pas être plus explicite que cela. Salut, clic. Sud-est, c'est en bas à droite. Je pense qu'on est sur la bonne direction. Hein. Je pense qu'on est sur la bonne direction. Parce que là, on est en bas vers la droite. Alors, voilà. Merde. Hop. C'est vrai qu'on peut pas se les faire. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? On peut absolument pas passer. Ah, un coquillage, c'est bien ça. Allez, ferme ta gueule. Oh, mais attendez. C'est quoi cette statue là-bas? C'est une statue de sirène. Je vois pas qu'est-ce qu'elle fout là, en plein milieu. Oh, c'est quoi ces monstres? On peut pas y aller, on sait pas nager. Hein. Ah, j'ai l'impression de pas être sur la bonne route. J'espère que cette grotte va nous mener quelque part là. Ah, ces bâtards. Ils vont nous tuer. Allez, c'est bon, bas les reins. On casse la tête. Ah, si, elle nous mène quelque part la grotte. C'est pas une grotte fermée, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est bon. Alors, par là, je peux rien faire. On va aller par là. Allez, cassez-vous. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait. Ah, si, on peut passer. Ouais, j'ai pas envie de mourir, hein. En bas. Il nous a dit sud-ouest. Sud-est, pardon. On peut les toucher. Attends, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser ici? Absolument rien. C'est juste pour aller dans l'eau. Sauf qu'on peut pas nager.
Je pense, à mon avis, en voyant toute cette eau, que le prochain donjon va nous servir de nageur. Hein, je pense. Après, c'est une supposition, je sais pas du tout. Village des animaux. B de Martha. Aucune trace des dunes. Oh. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Casse-toi, espèce de poisson. Bien joué. Allez, hop. Et voilà, bien sûr qu'on peut passer. Alors, hop. Peut-être qu'on est sur la bonne direction, qui sait. On continue d'aller au sud-est. Sud-est. Allez. Ah, moi ça sent le truc à creuser ici. Je sais pas pourquoi. Non, y'a rien. Y'a rien. Non, y'a rien. Allez. Enfin, village des animaux. Ah. Ok. Attendez la musique. Une chanson de Marine par un si beau jour, ce serait le pied. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Putain, mais je rêve, c'est oui, c'est vraiment un village d'animaux. C'est les animaux qui gouvernent ici, c'est quoi ce bordel? Y'a rien ici? C'est quoi ce délire? Que des animaux? C'est des lapins enfin. Village des lapins, ils auraient dû l'appeler. Bon. Eh, bouge-toi s'il te plaît. Là? Oula! Wesh! Ya, je suis Sven Dovashnit, la statue de la sirène près de la baie et mon chef-d'œuvre. Ah, c'est toi qui l'as fait. Inachevé. L'art, c'est dur, hein. Ok. D'accord, va-t'en, il me dit. Ben, je me casse. Je me casse, le mec, il est pas accueillant. Il y a combien de maisons? Yo. Tu ne connais pas l'étiquette quand tu rends visite à une dame, si tu m'avais apporté des fleurs, j'aurais été plus loc. Mais quoi? Personnellement, hibiscus. C'est quoi les hibiscus? Je connais pas. Peut-être une sorte de fleur, hein, ouais. Complètement folle cette fille. Enfin, je sais pas ce que c'est comme animal. Personne. Attendez, qu'est-ce qu'il a à nous dire lui? Savais-tu que les villages des animaux et des mouettes étaient des villes jumelées? Des villes, c'est un bien grand mot. Village jumeau, serait mieux. D'après une source sûre, à l'intérieur du gîte des rêves, il y a un... Crois-tu que c'est vrai? Hein? Toi? Je ne peux aller au village. Les monstres sont si nombreux. Marine est-elle en vie? Ouais, ouais, t'inquiète, hein. S'inquiète. Waouh, 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 c'est quoi, c'est un ours? Un phoque? Il me manque des ingrédients. C'est embêtant. Si j'avais du miel... Bah c'est un ours, hein. Ce serait parfait. J'ai pas de miel sur moi. Ça doit être des quêtes annexes, hein. Waouh, c'est quoi ça? Pourquoi un terrain si vide? Faut creuser? Merde. Est-ce qu'il faut creuser? Pas l'impression, y'a que dalle. Par contre, vers le bas, il y a un truc. Ça, c'est un téléporteur, les gens. À droite, c'est un téléporteur. Sauf qu'on peut pas y accéder. Dommage, hein. Donc, pour moi, ça, il faut creuser. Non. Oula, c'est quoi ce phoque à droite? Entrée de... Ah! Les dunes de Yarna. Et comme par hasard, il y a un animal qui bloque. Ça me rappelle le réflexe dans Pokémon jeune. Qu'est-ce que je dis? Oh. Ah bah il dort. Il dort et il pense à Marine, les gens. Il pense à Marine. Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut ramener Marine. Parce qu'il y en a un qui me dit j'aimerais bien que Marine nous chante une chanson. Et il y a lui qui pense à Marine. Moi je pense qu'il faudrait ramener à Marine par ici. Par contre, comment le faire? Aller au village? Je sais pas comment l'appeler. Bah peut-être faut aller lui parler tout simplement. Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes? Non mais là je veux que tu chantes avec moi. Viens.
Je vois pas comment je pourrais la ramener. Re tout le monde, voilà. Je suis désolé d'avoir fait cette ellipse. Tout à l'heure je cherche, bon là j'ai repris. Et là, comme ça par hasard, je parlais à lui. J'ai l'impression que ça a l'air d'être ça qu'il faut faire. Voyou, ton truc me plaît. Alors, petite explication pourquoi il m'appelle voyou. Pendant l'ellipse, je suis parti faire un crime. Hein. Non, pas un crime, mais je suis parti voler un objet. Je vais vous montrer ça après. Je suis parti voler un arc dans la boutique qui coûtait 900 balles. C'est pour ça que j'ai encore mes 500 et quelques rubis. Alors que je lui ai volé. Voilà, tout va bien. Je vais vous montrer la cinématique qui se passe après qu'on ait volé. Mais du coup, tout le monde m'appelle voyou. C'est un truc de malade. Même Marine Tater m'a appelé voyou. Plus personne m'appelle Zizou. C'est un truc de ouf. Ton truc me plaît. Je te donne du miel pour ce bâton. Alors, mais quel bâton il parle? Ah oui, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, il se fait courser par les abeilles. Il voulait un bâton pour arracher la ruche. D'accord. Mais du coup, je la prends. Tu as changé le bâton contre le miel. J'ai oublié où est-ce qu'on a. Ah oui, le bâton, c'était le singe. Mais du coup, le troc continue. Et qui voudrait une ruche avec du miel? Ben, on l'a vu tout à l'heure. Hein, ça va être simple, les gens. Ça va être simple, simple, simple. C'était l'ours. L'ours. L'ours dans le village d'animaux. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver le téléporteur. Où est-ce qu'il était? En bas de la prairie, normalement. Oula. Ouais, le téléporteur il est là. Du coup, hop, ça nous mène directement au village. Et ça, c'est cool ça. Et du coup, tout le monde m'appelle voyou, c'est un truc de ouf. On m'appelle plus Zizou, Mam. On m'appelle plus Mam, on m'appelle voyou. C'est un truc de malade, les gars. Est-ce qu'il était là l'ours? Oui, c'était lui. C'est une ruche, enfin du miel que tu as là. J'en ai besoin. Tu ne veux pas d'ananas à la place? Oui. Un ananas, pourquoi pas. Tu as changé le miel contre l'ananas. Il est juteux. Oh oui, je connais bien les dunes de Yarna, mais leur entrée située au sud du village est bloquée par une drôle de créature, et quand celle-ci dort, pas moyen de la réveiller. J'ai une idée, amène Marine avec toi et fais-la chanter pour réveiller cet animal. Ça, j'y avais déjà pensé, sauf que Marine m'écoute pas. Et en plus, elle m'appelle voyou maintenant. Par contre, qui voudrait de l'ananas? Qui veut un ananas ici? Qui veut un ananas, bordel? Je vois pas. Écoutez, je vais retourner au village, peut-être ça se passe là-bas. Je sais pas. Voilà, c'est pas par là. Qui voudrait un ananas? Je sais pas. Bon, du coup, en retournant au village, je vais vous montrer ce qui se passe quand on vole et la méthode pour voler. J'ai fait ça sans faire esprit, hein. J'y ai pensé parce que dans Zelda, Twilight Princess, on peut voler. On peut voler dans une boutique d'un perroquet, il me semble. Et là, j'ai décidé de voir si on pouvait voler, on pouvait se barrer. Faut contourner le vendeur, en fait. Faut l'esquiver un peu. Alors, il est là. Par contre, quand on revient dans son magasin, c'est un truc de malade. Hein. Alors, écoutez, là, ben, regardez. J'ai l'arc. Il est ici, j'ai 30 munitions, on va s'en faire 40, écoutez. Alors, pour se faire 40 munitions, enfin, pour se faire des munitions en plus, il suffit de contourner le villageois, enfin le vendeur. Ma technique, moi, c'est d'attendre qu'il fasse ça, je monte, hop, il se tourne, et je me casse. C'est un fail. Je monte, et je me barre. Non. Putain, il est devenu... comment dire? Attendez. Faut pas qu'il tourne sa tête vers moi. Comment j'ai fait tout à l'heure? Oui, voilà. Tu as pu sortir sans payer? Tu n'as pas honte, voyou. Donc là... Ben non, le maximum c'est 30 munitions. Bon, je vais quand même vous montrer ce qui se passe. Quand on rentre, voilà ce qui se passe. Je t'avais bien dit de me payer. Tu vas le regretter. C'est pas un truc... De malade, ce qui se passe, c'est un truc de ouf, hein. Quand tu voles, tu te fais hagar ta race. Par contre, je sais pas, c'est... Regardez, Marine m'appelle voyou. Hein. What? Elle est passée où, en fait? Gros, elle est... Oula, oula. Elle est passée où? Souvent, Marine va toute seule regarder la mer. Pourquoi? Je ne sais pas, moi, je ne suis qu'un gosse.
La mer? Elle est partie à la plage ou quoi? Peut-être là en bas là? Ah! Bonjour! Oh, voyou! Regardez, ma mère, elle m'a pas le voyou! Tu savais où me trouver? Veux-tu qu'on parle un peu? Ouais, si tu veux. Oh! Oh! C'est beau ça! D'où vient cette noix de coco? Tarka me dit qu'il n'y a rien. Par là, par-delà la mer. Moi, je suis persuadé du contraire. Tu sais, voyou, quand je t'ai vu, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis sûr que tu es le messager que j'attendais. Niki répond pas. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin, très loin. Je visiterais des pays, chanterais pour tous. Si j'exprime un vœu au poisson rêve, l'exaucera-t-il? Hé, hey, tu écoutes, voyou? Es-tu sûr que tu m'écoutes? Ouais, ouais, je t'écoute. J'aimerais tant connaître ton pays, voyou. Un jour, comment, le morse? D'accord, je t'accompagne. Ah. Oula, il a saoulé au calme. Marine se joint à toi. C'est la chance de ta vie. Wesh Marine. Bon, c'est cool ça. On a Marine avec nous. Je sais pas si par le téléporteur elle vient, du coup on va passer directement par là. Ça c'est bien ça. Du coup on a Marine avec nous. C'était cool franchement les cinématiques comme ça. Je pensais pas qu'on allait voir ça sur Game Boy Color. Allez Morse, tu vas te réveiller, tu vas te bouger de là, moi je te dis. C'est ce gros lard de Morse. On lui fait peur? Oui, allez go. Il a pas peur, il a bien, il danse. Il danse. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'est jeté dans l'eau? Ah ah ah, ton réveil était... Merde, j'ai skip. Tiens donc, il m'appelle? Oh là là, c'est toujours pareil. Je vais au village. Des animaux, rejoins-moi. Après, voyou. Mais putain, mais tout le monde m'appelle voyou. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, elle est partie chanter au village. Elle est partie chanter au village, je pense. Bon, on la verra plus tard. Elle va se faire défoncer par des animaux. C'est quoi? Ils sont chelous, ces crânes. Du coup, là, on est dans les dunes de Yarna. Hein. Je pense que oui. Écoutez, maintenant qu'on est aux dunes de Yarna... C'est dommage, il n'y a pas une musique spéciale. On est aux dunes de Yarna. Écoutez, on réserve ça pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. Bah, on s'appelle plus Mam, on s'appelle Voyou dans ce jeu. Et c'est super. Moi, je suis un gangster. Voilà. Sur ce, rendez-vous dans le prochain épisode. Au revoir.